Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir BC Télévision pour vous informer. Le président Tshisekedi arrive ce lundi à Dubaï, où il va assister à la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020, ce mardi 22 mars. Au cours de son séjour, l'on prévoit la signature des accords commerciaux entre la RDC et les Émirats arabes unis. Quant au Expo Béton, au Expo Dubaï, il y a cette foire promotionnelle avec ses 192 pays représentés, a voulu donner à chacun une opportunité de se choisir un thème et promouvoir par la même occasion des potentialités socio-culturelles au cours d'une journée réservée. Suivez ces reportages. Réputée pour son shopping de luxe, la ville de Dubaï est le centre d'attraction mondiale depuis l'ouverture de l'exposition universelle le 1er octobre 2021. Durant 5 mois, chaque pays a profité de cette vitrine mondiale pour vendre son image de marque au monde. Ce 22 mars sera au tour de la République démocratique du Congo d'exposer sa richesse culturelle. La journée du 22 mars est donc considérée comme journée nationale d'exposition des produits et de la culture congolaise à Dubaï. La République démocratique du Congo et son président seront donc à l'honneur pour présenter au monde ce que ce grand pays d'Afrique a de particulier. Inscrite au patrimoine immatériel, la rumba congolaise va faire vibrer Dubaï avec ses artistes. Plusieurs officiels congolais sont ici à Dubaï pour préparer cette journée congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc très attendu ici à Dubaï où la communauté reste très mobilisée. Avec cette vitrine, c'est le Congo qui gagne. Les touristes profitent également pour visiter d'autres lieux touristiques, à l'exemple de Atlantis des Palmes, une destination exceptionnelle de renommée mondiale. Le président Tshisekedi, le gouverneur ad intérim Fifi Masuka a été reçu le week-end dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était pour faire rapport au président de la République de sa mission effectuée en Zambie concernant le projet de construction de la route des vents reliés Kolwezi en République démocratique du Congo à Solwezi en Zambie. Reportage avec la presse présidentielle. À la Cité de l'Union africaine, ce samedi dans la soirée, Madame la gouverneure intérimaire de la province de Lualaba est venue rendre compte au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la mission qu'il a conduite en Zambie au mois de février dernier. Fifi Masuka Saini était dépêchée par le président de la République pour discuter avec les autorités zambiennes de la mise en œuvre du projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi, une route d'une importance économique capitale pour les deux pays amis. Je suis venue spécialement lui remettre le rapport sur ma mission en Zambie. Il m'avait envoyé en Zambie pour voir son homologue zambien afin de discuter sur la faisabilité de la route Kolwezi-Solwezi et la Moana du côté de la Zambie. Nous avions été bien accueillis, raison pour laquelle nous sommes venus lui donner le rapport. Ce rapport stipule que ces travaux sont d'une extrême urgence. Comme le chef lui-même nous avait dit que nous devons commencer cette route-là au plus tard le mois d'avril, et c'est ce que nous sommes venus remettre le rapport. Les instructions sont encore aujourd'hui très claires. Comme le rapport l'indique, nous allons commencer très incessamment les travaux de cette route-là. De l'économie au social, en passant par la sécurité et les infrastructures de base, la province du Lualaba fonctionne au rythme de la vision du chef de l'État qui tient au développement de toutes les entités politico-administratives. La patronne de l'exécutif provincial du Lualaba se veut plus que rassurante. La province, sur le plan financier, elle est tout à fait à l'aise. Clôture dimanche de l'atelier des sensibilisations d'information et d'appropriation du programme de développement des 145 territoires. Représentant le président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde sollicite un soutien sans faille des députés provinciaux. Suivez. Durant 2 jours, les députés provinciaux ont bénéficié d'une mise à niveau et des informations importantes sur les contenus programmatiques du programme de son source de financement, ainsi que sur la volonté manifeste du gouvernement de la République de faire les choses dans une nouvelle approche de redevabilité. Les élus locaux
ont également reçu des informations sur les investissements prioritaires pour leurs provinces, territoires et secteurs respectifs, tout en rassurant les élus locaux sur la mobilisation des ressources pour le gouvernement pour soutenir ces projets. Le Premier ministre a appelé les députés provinciaux à faire un choix judicieux lors de prochains scrutins de gouverneurs de province pour valoriser la stabilité des institutions provinciales en vue d'assurer le succès de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires. Demain, le gouvernement prend l'engagement de faire face à tous les risques de mise en œuvre identifiés dans ce programme et sera intransigeant en matière de transparence, de traçabilité, d'efficience et de contrôle afin de garantir la redevabilité envers nos populations. En ce qui concerne les autres acteurs de mise en œuvre du suivi, j'invite les agences d'exécution de mettre tout en œuvre pour délivrer dans les délais convenus tous les projets d'investissement aux structures techniques et à toutes les parties prenantes, tant au niveau central, provincial, territorial, ainsi que de renforcer la vigilance pour assurer des suivis techniques et financiers et efficaces pour la meilleure réalisation. Enfin, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a invité les députés provinciaux à ne ménager aucun effort pour soutenir ces gigantesques projets. Les membres du gouvernement central et ceux du gouvernement provincial concernés par ces programmes ont été sensibilisés. On parle d'éducation dans ces bulletins d'information. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé dimanche 20 mars à partir de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, les épreuves préliminaires de l'examen d'État 2022 pour les autodidactes. Tony Mwaba a par ailleurs insisté sur les mesures sécuritaires. Images et commentaires. Dans les chefs-lieux de l'Équateur, ils sont 10 463 candidats autodidactes des cycles longs et 89 candidats des cycles courts répartis respectivement dans 1062 et 16 centres, a fait savoir le patron de l'EPST. Nous sommes à l'école primaire Liziba en présence du secrétaire général, de l'inspecteur général de l'EPST et du gouvernant de l'Équateur, Bobo Boloko. Notons que cette épreuve constitue la porte d'entrée de l'examen d'État et du jury national pour tous les jeunes et les adultes autodidactes qui veulent décrocher un diplôme d'État ou un brevet des cycles courts. Cette année, il a été constaté un faible engouement des autodidactes à participer à ces préliminaires, comportement qui est donc qu'une tendance attribuée à la crise consécutive à la survenue du Covid-19. La ville de Mbandaka a enregistré 35 candidats autodidactes contre 66 l'année passée. Une baisse des moitiés a été constatée. En séjour dans les grands équateurs, dans les cadres de ces tournées d'itinérance et d'orientation, grâce aux instructions données et répétées à tous les responsables des provinces éducationnelles, mais aussi pour poursuivre la campagne « Pas une école sans banc », Tony Mwaba a exhorté tous les directeurs provinciaux PROVED, inspecteurs principaux provinciaux IPP et les directeurs provinciaux des CECOP, d'IPROSEC, sans oublier leurs collaborateurs, à davantage travailler pour consolider la gratuité de l'enseignement de base tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec à sa tête, Chérubin Okendé, ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, cette équipe gouvernementale est dans les Lualaba pour faire les constats du dernier déraillement d'un train marchandises de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo SNCC en provenance de l'espace Kassai et qui a causé la mort de plus de 70 personnes selon les bilans provisoires. On écoute ici le ministre Chérubin Okendé. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements et le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, se trouve à Kintenka, au kilomètre 614, à la hauteur du village Bouyofwe, en territoire de l'Oboudi, dans la province du Lualaba, où est survenu, en date du 10 mars 2022, un accident du train marchandises immatriculé SNCC numéro 210-2 de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo.
Cette visite de travail consiste en l'établissement de l'état des lieux à la suite de cet accident meurtrier. Il relève des éléments préliminaires recueillis la situation suivante. Le train marchandise sus-identifié provenait de Mweneditu à destination de Lubumbashi. En deux têtes de locomotive, le train remorquait 14 wagons plus une voiture avec une charge de 439 tonnes. La coupure de la traction due à la surcharge est la cause présumée du déraillement. Ce déraillement a causé d'importants dégâts matériels, dont 7 wagons précipités dans les ravins. En plus des dégâts matériels, le bilan provisoire indique 73 morts et 128 personnes grièvement blessées. Prenant la mesure du désastre, le gouvernement provincial du Lualaba s'est assumé de manière responsable en assurant le transfert des blessés vers les hôpitaux spécialisés pour le traitement spécifique et la prise en charge, la prise en charge de 102 blessés légers à l'hôpital général de référence de Louboudi par le paiement de toutes les factures de premiers soins ainsi que l'allocation d'une provision pour toute éventualité, la mise à la disposition des médecins et infirmiers, notamment des ambulances, des produits pharmaceutiques de première nécessité, des sacs mortuaires, la provision des blessés en produits vivriers, la prime de médecins, infirmiers et secouristes de Louboudi, la prise en charge de 6 enfants orphelins qui étaient accompagnés de leurs parents décédés dans cet accident. Au regard de cette situation tragique, il est impérieux qu'une enquête administrative et judiciaire de haut niveau soit diligentée dans les jours qui suivent pour déterminer les causes exactes de cet accident et établir les responsabilités. Au demeurant, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à celui de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, nous réitérons les condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Aussi, les efforts du gouvernement provincial du Lualaba méritent d'être salués et encouragés. Par surcroît, nous sollicitons de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le renforcement de l'assistance humanitaire aux sinistrés et membres de leurs familles. Ainsi fait, à Kitenta, le 19 mars 2022. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux.